Je déménage. En 2020, vous m'aviez vu galérer à trouver un appartement pour au final avoir un énorme coup de cœur pour celui-ci. J'ai partagé avec vous tout mon déménagement du début à la fin avec évidemment les galères. Je me souvenais plus que c'était aussi intense un déménagement en fait. Aussi un petit peu de relooking parce que vous le savez, je ne peux pas m'en empêcher. Et aujourd'hui, je reprends la caméra car après avoir passé plus de 3 ans ici, ça y est, je deviens propriétaire puisque j'ai acheté mon appartement. Faire une visite si c'est possible. Donc j'espère que vous êtes prêts car l'aventure déménagement recommence. Bonjour, bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de Laura déménage. Je suis en train de me préparer, il est 8h et quelques, j'ai même pas d'heure devant moi, mais nous sommes le matin et j'attends les ouvriers pour la suite de la rénovation des travaux de ma salle de bain. Ce n'est pas encore fini, je pense qu'on est là à la moitié à peu près. J'ai passé commande aussi pour les meubles dans le vlog précédent, je vous ai montré, j'hésitais entre deux collections de meubles pour tout ce qui est meubles vasques, les meubles de rangement de salle de bain, robinetterie et tout ça. Donc du coup j'ai fait mon choix, j'ai passé commande, donc je les attends. J'espère vraiment que ça va arriver cette semaine parce qu'avec tous les problèmes de livraison que j'ai eu jusqu'à présent, franchement ça m'étonnerait même pas qu'il y ait des bugs quelque part. Mais bon, on va toucher du bois là, parce que quand les peintres auront terminé de faire ce qu'ils doivent faire, enfin en fait ils vont devoir poser ces meubles quoi. Donc si je les reçois pas à temps, ça risque de poser problème dans le planning, vous voyez. Donc je croise les doigts, donc il y a ça. J'ai aussi passé plein de petites commandes pour de la déco, mais ça à mon avis ça va arriver après les fêtes. Je viens de tester ce mascara que j'ai reçu je crois il y a 2 jours. C'est un nouveau de chez Martine Cosmetics, marron. Et je pensais qu'on verrait une plus grosse différence en fin de compte, ça, comme c'est un marron plutôt foncé. Ça change pas grand chose du noir, mais par contre l'effet qu'il donne, j'adore. Il fait des cils de ouf je trouve. Aujourd'hui également il faut que j'aille récupérer ma commande Ikea, puisque dans le dernier vlog, je sais pas si vous vous souvenez ou pas, mais je vous avais montré sur le site le dressing sur mesure que j'ai fait sur le site d'Ikea directement. Et du coup j'ai passé la commande, il faut que j'aille chercher tout ça et monter le meuble. J'espère que ça va être le dernier gros meuble à monter parce que j'en ai vraiment marre de faire ça. J'ai horreur de monter les meubles, je vous l'ai déjà dit. Quoi qu'il en soit, chercher cette commande. Je pense que je vais faire ça en premier. Bon, comme prévu, direction mon cher et tendre Ikea, à savoir ma deuxième maison en ce moment. J'ai récupéré ma commande, donc tout ce qu'il faut, c'est vraiment cool ce système parce que tout est prêt dès que t'arrives, tu charges dans ta voiture, tu rentres chez toi et donc du coup là j'ai tout posé à côté pour pouvoir monter ça tranquille. Donc là je vous montre le avant, c'est censé donc aller dans ce renfoncement. Et voilà le résultat. Je suis vraiment contente d'avoir choisi cette porte miroir parce que c'est toujours bien de voir notre tenue et tout. Enfin, genre c'est la pièce où je m'habille donc c'est cool. Et ça agrandit la pièce aussi d'avoir un miroir. De toute façon c'est le seul endroit où ça pouvait rentrer donc trop bien. Comme ça, ça fait miroir et en même temps ça fait la porte pour la penderie du coup. Pourquoi c'est flou? Voilà, c'est mieux. Donc j'en ai mis une en haut, une en bas. Après bien sûr ça se bouge, hein, y a des trous partout. Et à côté, pareil, pour l'instant j'en ai mis une tout en haut pour vraiment les grands habits, par exemple les robes ou ce genre de choses. Mais comme c'est du Ikea et comme on peut tout personnaliser, en fait ce qui est bien c'est que si j'ai envie d'ajouter une étagère ou une autre tringle, enfin peu importe, je peux faire vraiment ce que je veux et aller chercher ça au magasin. Il reste un petit espace comme vous pouvez voir, je réfléchis si j'ajoute encore... on peut mettre par exemple même des petits meubles à cases, vous savez, pour mettre soit des décos dedans, pourquoi pas, ou même encore ranger des choses. Mais je pense vraiment que là, niveau rangement, franchement, j'ai assez, j'ai de quoi faire. Donc pour l'instant, j'ai mis juste cette petite table d'appoint histoire de remplir le trou. Mais je sais pas encore ce que je vais y mettre. Je pense peut-être une. Je peux même poser une lampe dessus ou à voir. Donc cette semaine, je sais pas encore quand, peut-être ce soir, mais est-ce que je vais avoir envie de le faire ce soir? À voir, il faut que je réfléchisse. Il faudra que je me mette au rangement de ce qui est censé aller dans cette penderie, c'est-à-dire les vêtements pliés que j'avais rangés là-dedans en attendant d'avoir la penderie. Du coup, ça va me libérer de la place là-dedans pour ranger encore ce qui me restait là, des trousses, des bordels. Le but est justement de ne plus rien avoir
qui traînent là au-dessus et que tout soit rangé à l'intérieur, à part bien sûr des jolies boîtes ou ce genre de choses, mais le but c'est quand même que tout soit caché, disons, parce que là j'ai exprès pris plein de rangements pour éviter d'avoir des choses qui traînent par terre comme ça dans des boîtes, dans des caisses, dans voilà ce que j'avais avant du coup dans mon ancien appartement, et je supportais plus parce que j'avais pas assez de place de rangement et ça fait moche, enfin bref. On va aller voir du côté de la salle de bain également puisque ils ont pas mal avancé ce week-end, donc c'est cool. Mais par contre, alors ça je le savais qu'à un moment donné il allait y avoir pas une confusion mais un truc qui allait m'échapper ou j'allais oublier de demander quelque chose sur des détails en fait, parce que il y a tellement de choses à penser, même autre hein, que salle de bain sur le déménagement et tout, que c'est impossible de penser à tout. Et ça en fait c'est un détail qui m'a échappé, enfin j'ai oublié de demander précision sur quelque chose. Et je vous avoue que là ça me fait un peu flipper parce que c'est pas ce que je préfère en fait. Donc je vous avoue que j'attends là quand même encore que ça sèche encore parce que c'est en cours de séchage. Donc ça peut être normal que ça me perturbe, on va dire. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes à qui j'en ai parlé et m'ont dit attends déjà que ce soit totalement sec. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai enfin un bac de douche. Alléluia, ça franchement je l'attendais. Ils ont posé le carrelage partout, donc ça c'est cool aussi, ça a bien avancé jusque là où va se trouver le meuble. Donc là de toute façon hein, ce sera beaucoup caché parce qu'il y a un grand miroir, le meuble il va prendre tout ça, donc au final on verra pas beaucoup le carrelage ici, et là bah, il va y avoir la cabine de douche. Mais du coup le truc que je n'ai pas pensé à demander, parce qu'en fait pour moi c'était logique par rapport au joint des carrelages. Quand on pose un carrelage clair, on met des joints clairs, non? Alors du coup, j'ai pas pensé à poser la question de quelle couleur va être le joint que vous allez mettre, parce que ben, déjà, j'ai complètement oublié. J'avoue aussi de demander ça parce que je vous ai dit, j'ai la tête dans tellement de trucs en ce moment. Et même, il y a des détails hein, que je vous raconte pas tout, sinon les vlogs dureraient un millénaire à chaque fois. Même sur la salle de bain et tout, j'ai dû réfléchir entre temps, changer des mini trucs et tout, mais qui sont pas vraiment importants au final. Mais tout ça accumulé, bah, je vous avoue que j'ai pas du tout pensé à demander ça. Parce que là, bah, j'aime pas trop quoi. Enfin. Après bien sûr c'est ce qu'on m'a dit aussi, attends de voir avec les meubles, avec avec tout en fait, parce que là forcément ça saute un peu aux yeux, et surtout parce que ce n'est pas sec totalement, c'est tout, ça va encore un peu s'éclaircir. Donc je vais patienter, je vais prendre mon mal en patience, je vais attendre quelques jours que les meubles soient accrochés, que ce soit un peu plus fini pour pouvoir me rendre compte de la globalité du truc. Et si ça me plaît toujours pas, ben voilà, maintenant il y a des moyens pour relooker tout, hein, les joints également, enfin je sais que ça existe, donc je le ferai. Maintenant à voir, écoutez, j'attends. Ce matin, quand je suis allée chercher ma commande pour la chambre chez Ikea, sur le chemin du retour, je me suis arrêtée à Leroy Merlin parce qu'il me fallait juste un petit truc de par rapport à des vis ou je sais plus trop quoi là, qu'il fallait que j'achète. Et je suis passée devant le rayon de déco salle de bain. Il y a un peu de déco à Leroy Merlin, mais c'est vrai que j'y achète trop rien, je crois que j'ai jamais acheté de déco là-bas. En tout cas ça me dit rien, mais là en fait je suis tombée sur la couleur, c'est la couleur qui m'a interpellée. Je vous avais dit dans le vlog précédent que pour la salle de bain, comme tout était neutre et assez clair, vous l'avez vu en plus le carrelage de mon sol et qui sera dans la douche, c'est vraiment des teintes neutres et assez claires. Du coup je vais ajouter les motifs et les tons plus colorés dans tout ce qui est accessoires, décorations. Et la touche de couleur que je vais mettre, parce que maintenant j'ai pris ma décision et quand j'ai vu ça dans les rayons, je me suis dit mais c'est pile poil ce que j'ai en tête. La touche de couleur ce sera, attention, le terre cuite. Terracotta, ça c'est vraiment pile le ton que je cherchais, ni trop orangé, ni trop rose, ni trop marron. Bon après bien sûr il y a des petites variantes, hein, mais là comme il y avait la collection entre guillemets avec le petit pot pour mettre, je sais pas, les brosses à dents et tout ça là, le distributeur à savon, la petite coupelle, eh ben je me suis dit je vais prendre les trois déjà. Et comme ça, ça me fera un petit ensemble. Et je pense du coup que je me prendrai aussi des serviettes de bain dans ces tons-là. Enfin, essayer de reprendre ces tons pour la touche de couleur de la pièce. Voili voilou. Comme ça, ça va réchauffer un petit peu l'ensemble aussi parce que c'est une couleur chaude. C'est très sympa, je trouve. Ben, j'avais mon salon cuisine dans mon ancien appartement qui était peint de cette couleur-là. C'est légèrement plus intense au niveau couleur, mais c'était quand même dans les tons de terracotta. Là, comme vous l'avez vu, je suis assise par terre dans mon salon. J'ai pas mal désencombré la pièce parce que dans le dernier vlog aussi, j'étais en train, je crois que c'était les dernières images du vlog ou je sais plus. Mais vers la fin, j'étais en train de ranger ici parce que ben, franchement, j'avais plus
plus de bordel que le jour du déménagement. Franchement, je devenais folle. Et là, avec la cuisine et tout, j'ai quand même pu ranger pas mal de choses dans la cuisine, mais il me reste encore quand même beaucoup de trucs qui vont dans mes toilettes, qui sont actuellement remplies de produits de salle de bain. Vous voyez à chaque fois le truc? Du coup, je peux pas ranger ce que... C'est vraiment méga méga long jusqu'à ce que tout soit clean, franchement. Bon, surtout là, moi, maintenant avec les travaux et tout, forcément, mais ça traîne. Et j'avoue que j'en ai de plus en plus marre d'avoir des trucs qui ont rien à voir. Alors, genre là, j'ai des produits ménagers partout ici que j'aimerais ranger dans mes toilettes parce que j'ai des grandes toilettes en bas. Je vais mettre un meuble pour ranger tout ce qui est produits de ménage et tout ça. Sauf qu'actuellement, dans mes toilettes, il y a tous mes produits douche, mes produits. C'est rempli de trucs de salle de bain. Bon, finalement, cette fin d'après-midi, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi et de faire ma petite reprise de la salle de sport, puisque ça faisait depuis le début du déménagement, donc un mois, hein, on va dire, un peu moins d'un mois, mais pas mal de temps que je n'en avais pas fait du tout, parce qu'avec toute l'énergie que le déménagement m'a pris à la fin des journées, franchement, j'avais juste pas envie de faire du sport et j'étais KO. Et bref, donc du coup, là, comme ça commence à s'alléger un petit peu, je reprends doucement mais sûrement. Là, je vous ai vite fait montrer quelques exercices que j'ai fait par-ci par-là et ça m'a fait du bien. Bonjour, bonjour. Alors, je vais commencer ce matin. Parce qu'en fait, ça fait au moins la troisième fois que quand j'appuie sur filmer, il se passe un truc. Ou alors j'ai un appel, ou alors ça sonne à la porte, ou alors si, ou alors ça. Espérons que cette fois-ci ce soit la bonne. Donc il est à peu près 9h. Et je vais commencer par, bon déjà me lisser un peu les cheveux, mais par vous raconter un nouveau rebondissement niveau livraison. Est-ce que ça vous étonne? Parce que moi, ça ne m'étonne vraiment plus du tout. Je vous ai dit dans le vlog précédent que je choisissais mes meubles de salle de bain. Donc à savoir les dernières choses dont j'ai besoin pour la terminer, cette salle de bain. Donc la commande a été passée, j'ai bien reçu le mail de confirmation et tout, prise en charge par DHL. Enfin bref, tout dans les temps, même un peu en avance, donc trop bien. Le jour de livraison arrive. Donc je me dis cool, j'attends et tout, il se passe rien, personne ne vient. Donc un peu plus tard, je vais revoir le suivi. Et là, je me rends compte que, soi-disant, l'adresse est introuvable. Et à votre avis, que s'est-il passé? Non, parce que j'ai tout eu, mais alors ça m'était pas encore arrivé. Donc c'est vraiment la faute de DHL, hein, pour le coup, des livreurs. Ils ont envoyé mon colis au même nom de village, mais en Allemagne. Il y a bien marqué France, justement, dans l'adresse, hein, c'était bien marqué. Franchement, je sais pas ce qu'ils foutent, hein, parfois c'est vraiment grave. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a une nouvelle commande de fête et ça a été envoyé avec un nouveau transporteur. Donc, ça commence bien, hein, j'ai envie de dire. On est en plus sur la fin, enfin, pratiquement, on va dire plus qu'à la moitié sur les travaux. Là, tout de suite après, je vais aller à Action. Parce que dans ma cuisine, et surtout dans mon cellier plutôt, je manque de, vous savez, de bacs plastiques pour ranger la nourriture et tout, là, pour mes étagères en mode garde-manger. Et je pense que aujourd'hui, on va aussi s'attaquer au rangement de cette fameuse penderie là, parce que c'est vrai que j'ai pas encore pris le temps de le faire, j'avoue. Bon, avant d'aller faire mon petit tour à Action, je me suis fait un petit café. Puisqu'il est actuellement 10h40 et j'ai un petit creux, puisque ce matin j'ai mangé quand même assez tôt. Regardez ce soleil. J'apprécie, mais oh là là, c'est tellement agréable. Je suis aussi en train de réfléchir au système de... Alors justement, j'hésite entre mettre des stores ou alors des rideaux. J'ai quand même maintenant des grosses baies vitrées, donc dès qu'on arrivera vers le printemps, il va falloir que j'y songe, parce que évidemment... il fera beaucoup plus chaud du coup dans les pièces, c'est logique. Je vais d'abord passer un été pour voir en fait comment je gère ça, la chaleur et tout, pour peut-être mettre une clim l'année prochaine, je ne sais pas, enfin bref, mais tout ça pour vous dire que je suis en train de réfléchir un petit peu à qu'est-ce que je peux mettre comme store ou rideau. C'est vrai que les rideaux, ça fait aussi plus habillé, ça fait peut-être plus déco et tout. Je crois que c'est sur TikTok qu'on m'a dit ouais, tu vas mourir de chaud l'été parce que t'as vu que c'est exposé sud. Alors oui, mais en fait le truc c'est que c'est soit l'un soit l'autre en fait. Soit je me les caille comme dans l'autre appartement, j'allais jamais dans mon salon en cuisine parce qu'il faisait toujours froid à l'intérieur, parce que c'était exposition nord, j'avais qu'une fenêtre pour une grande pièce, le soleil n'y rentrait jamais, donc du coup voilà. Et l'été c'est sûr c'était plus agréable parce que bah, il faisait un peu frais.
maintenant à choisir. Moi, j'habite dans une région où je prends l'année entière et je regarde combien de temps il fait froid et combien de temps il fait chaud. On a plus froid que chaud dans ma région. Je pense qu'on a au moins 6 mois d'hiver et encore, et je sais pas, peut-être 4 mois d'été. Voilà, donc c'est sûr que quand l'été il fait très très chaud, il fait très très chaud, mais il y a quand même moins de temps à passer avec la chaleur, on va dire, que avec le froid. Donc moi j'ai fait mon choix quoi. Ça y est, je suis rentrée de ma petite sortie. J'en ai profité aussi pour aller à la poste parce que je devais déposer 2 colis. C'est les 2 concours que j'ai fait récemment, un sur Instagram et un sur TikTok, des concours des lots beauté et tout. Donc comme j'ai eu les adresses des 2 gagnantes, j'en ai profité pour aller expédier ça. Et j'avais aussi un colis à récupérer, c'est un colis de chez Pull&Bear. Et d'ailleurs, je vais vous montrer après ce que j'ai pris. C'est deux pantalons en maille, genre pour la maison, qui sont hyper confortables. J'en cherchais des comme ça pour changer un peu des jogging, genre ça fait un peu plus habillé. Et je vous montre juste après, je vais les essayer. Le principal, c'est ceci. Oulala, alors j'en ai trouvé, mais pas autant que... En fait, j'aurais aimé plusieurs exemplaires de la toute grande, là, celle-ci. Attendez, hop, celle-là, mais il n'y avait plus qu'une, évidemment. Ensuite, j'ai pris aussi une comme ça, genre allongée. Là, je sais pas encore si c'est pour un des tiroirs. Parce que oui, là j'ai rangé pour l'instant comme je pouvais dedans, histoire d'enlever tout dans les cartons, mais j'ai pas encore fait, vous savez, de jolis rangements avec des boîtes et tout. Pour mes étagères aussi dans le cellier, j'ai pris 2 comme ça. Non, attendez, c'est à l'envers. 2 comme ça. Et en dernier, j'ai pris une comme ça. Alors ça, de base, c'est pour ranger dans le frigo. Mais je pense que je vais pas l'utiliser pour le frigo en fait. Pareil, ça va être ou pour ranger un truc, des trucs dans les tiroirs, ou pour mon cellier, je sais pas encore. Mais de toute façon, il va falloir que j'y retourne parce que ça aussi, il y en avait plus qu'une. Voilà, voilà, donc ça c'est fait et du coup, bah vous voyez, j'ai encore des vieilles boîtes comme ça que j'avais recyclées. Il faudra que j'en rachète d'autres pour faire tout joli, tout bien en mode boîte transparente. Et celle-ci qui s'imbrique tout pile dans ce petit trou. Aujourd'hui, au niveau des travaux de la salle de bain, c'est au tour du peintre de venir faire son travail. Et ben, du coup, on arrive plutôt vers la fin là, donc c'est cool. Il va mettre une espèce de toile sur ces deux murs là, parce qu'avant il y avait du carrelage et tout. Et ensuite, ben, peindre en blanc comme c'est ici. Peut-être faire aussi quelques retouches parce que forcément avec tous les travaux il y a eu des traces sur les murs. Voilà, c'est ce qu'il va faire aujourd'hui. Je pense que ça va pas prendre tant de temps que ça. Il a déjà tout protégé au sol. Et écoutez, ouais, on arrive sur la fin, donc trop bien. Il est temps de se mettre au rangement de cette penderie. Comment je vais procéder? Comment je vais faire? Je pense que je vais d'abord aller chercher tous mes cintres que j'avais stockés. Où est-ce qu'ils sont mes cintres? Je crois qu'ils sont à côté dans mon espèce de grenier là. Je n'ai pas encore organisé cette pièce là. Il me faut des espèces de meubles à cases et des meubles, des mini-meubles de rangement. Pour l'instant, je vous avoue qu'il y a un foutoir dans cette pièce là. J'ai pas pris le temps encore de le faire. C'est vraiment une pièce après l'autre. Comme ça, ce sera débarrassé tout ce coin là parce que ça fait vraiment pas beau. Regardez ça quoi, s'il vous plaît. C'est vraiment le fourre-tout, c'est le cas de le dire. Regardez qui est venu me rendre visite. Tadam, première armoire pleine. Bon alors c'était pas du tout prévu que je fasse ça maintenant, mais je me suis chauffée et j'ai rangé à fond là-dedans. Ce qui fait que j'ai gagné énormément de place
déjà au sol. Bon, je vous l'ai dit, hein, c'est prévu que je mette des meubles ici, parce qu'il faut que j'optimise forcément les hauteurs, hein, d'étagères et tout ça, mais ce sera dans un second temps. Là déjà, je peux mettre toutes les caisses, vous savez, qu'il y a dans ma chambre, ici. Donc j'ai sorti mes paires de baskets et bottes et tout, que je mets le plus souvent, genre pour l'hiver et en ce moment. Donc ça, je vais le mettre en bas, dans l'entrée, je vais faire ça tout à l'heure. Ah bah tiens, qui est sorti aussi de sa cachette? Ah bah mon trépied, il est là, je vais chercher, attention. Je prends ça. J'ai sorti aussi tous mes sacs. Ça, c'est rempli de mes sacs à main. Et donc du coup, comme j'ai libéré de la place là, je vais pouvoir les ranger avec vous maintenant. Que là en bas vous ne voyez pas je pense, mais il y a des tiroirs et j'ai tout ce qui est sous-vêtements machin. Déjà je vais ajouter un truc comme ça parce que j'en ai déjà un premier qui est rempli et limite il y a deux choses par compartiment, donc ça fait un peu serré. Donc j'en ai recommandé un, franchement c'est trop pratique pour les sous-vêtements, même les chaussettes ou les petites choses que vous voulez quand même séparer mais qui sont des petits trucs. J'achète ça sur Amazon, ça coûte vraiment pas cher. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. Donc hop, on ferme comme ça. Et ça fait des petits compartiments. Et je trouve ça vraiment génial. Vous avez vu, il me reste une place de lit juste ici que je n'avais pas déballée. Où j'ai tout ce qui est collant, enfin des trucs comme ça quoi. Oh my god, tout est rangé, tout est caché, enfin. Oh, comment c'est satisfaisant, je vous jure. J'ai mis tout ce qui traînait là encore en haut à l'intérieur. Donc c'est vraiment vraiment cool, je suis hyper contente. Je vais vous montrer comment j'ai rangé, enfin ce que j'ai fait. Du coup, ici, tout ce qui est plutôt accessoires, sac, vous l'avez vu, mes collants, les trucs comme ça. Tout ce qui est sous-vêtements, lingerie, en bas dans les tiroirs. Ensuite là j'ai mis tous mes pantalons, jeans, triés par couleur et par coupe on va dire. Et les pantalons plus habillés disons en bas, puis les joggings tout en bas. Là j'avais aussi une mini armoire penderie, j'ai mis tous mes blazers. Ici j'ai les pulls fins, genre t-shirt à manches longues. Là j'ai tout ce qui est pyjama, t-shirt. Et dans la dernière étagère j'ai tout ce qui est haut de jogging, genre les suites et tout. Trousse de make-up et là-dedans j'ai dans les tiroirs c'est tout ce qui est affaire de sport, donc les brassières, les leggings, les t-shirts de sport, tout ça c'est là en bas. Je n'ai pas oublié de vous montrer les deux pantalons dont je vous ai parlé de ma commande Pull&Bear. Franchement, mais je les adore, ils sont vraiment trop trop bien. Je sais pas si on se rend compte de la matière. Regardez ça, c'est tellement tellement doux, c'est super agréable à porter et je trouve que bah voilà, ça fait pas forcément très pyjama non plus, donc vraiment c'est ce que je cherchais. Et la coupe vraiment j'adore, il est taille haute, évasé sur le bas, il est pas trop serré, bon, j'ai encore l'étiquette, enfin vraiment il est parfait. L'autre est comme ça, donc il est beaucoup plus foncé et qui est ligné en fait. Est-ce que vous verrez? Oui, je pense que oui. Pareil au niveau de la matière, hein, c'est exactement la même chose. C'est vraiment vraiment hyper doux. Je vous mettrai aussi le lien dans la description de la vidéo si jamais vous êtes intéressé. Quand je vous parlais de mon placard d'entrée, c'est ici du coup sous l'escalier. Là j'ai déjà rangé les manteaux que je mets en ce moment. Et à gauche j'ai des étagères. Là j'ai rangé ça n'importe comment, mais justement je vais m'organiser. Hello hello, dernier jour de ce vlog puisque ce week-end
c'est le week-end de Noël. Du coup, je pense que je vais pas filmer, enfin c'est même sûr. Et je vais profiter pour me reposer quand même, parce que je vous assure que je ne suis pas reposée du tout ces derniers temps. Je voulais juste vous montrer, parce que là, le peintre vient de partir, parce qu'il vient de terminer la peinture de la salle de bain. Donc là, on y voit déjà un peu plus clair, c'est déjà plus clean. Enfin, je vais vous montrer. Regardez ce mur sans traces et tout blanc, enfin. Donc là, c'était ce qui devait finir ici au fond. Donc c'est du blanc, hein, de toute façon. Tout ici, ils ont aussi repassé sur les petites traces qu'il y avait partout. Même là, de l'autre côté, ici, tout partout, ils ont repassé. Maintenant, pour reparler du sujet qui fâche, mais qui ne fâche plus autant que la dernière fois, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que les joints se sont quand même éclaircis depuis la dernière fois, parce que bah, ça a séché. Maintenant, j'attends quand même de voir fini, en fait, pour me faire un avis sur comment ça va être avec tous les éléments devant, parce que c'est vrai que ça va quand même être beaucoup caché, le carrelage, finalement, avec le miroir, le meuble basque, la douche. J'attends avant de me faire un avis final. Dans tous les cas, je sais, enfin, il existe des produits ou des peintures et tout, si vraiment ça me reste en tête. Donc, en parlant de meubles, hein, vous avez suivi ce fameux fail de livraison. Donc une commande a été repassée, je vous l'ai dit, avec un autre transporteur, et j'ai eu un coup de fil tout à l'heure pour un rendez-vous de livraison pour là, début de semaine prochaine. Donc enfin, je vais enfin avoir ces meubles de salle de bain. Bien sûr, je vous montrerai ça du coup dans le prochain vlog. La salle de bain va quand même prendre forme beaucoup plus, sauf la douche, mais ça je vous avais déjà expliqué. Il y a vraiment des délais plus conséquents au niveau fabrication et livraison, parce que comme c'est sur mesure, c'est normal. Mais bref, ce sera déjà plus agencé, disons. Bon, regardez ce que j'ai reçu. Oui, j'ai changé de haut entre temps, parce que j'ai fait des photos, des trucs, bref, on s'en fiche. J'ai changé de haut. J'ai reçu mon applique pour aller là. On va ouvrir ensemble. J'espère qu'elle sera jolie. J'ai cherché de nouveau sur tous les sites de la terre pour cette applique, parce que forcément il fallait que ça aille un petit peu avec le reste, à savoir vous voyez pas, mais celle-là, j'en ai deux, des comme ça, je vous les ai montrées de toute façon dans le vlog précédent, je crois. Et donc elles sont un peu coniques, elles sont assez simples, donc je cherchais une applique également blanche et également avec un truc un peu conique pour rester dans la même forme. Attention, révélation. Alors elle est comme ça, attendez que je vous le montre correctement, enfin dans le bon sens, c'est à dire que du coup, bah attendez, on va essayer tout de suite, comme ceci à peu près. Ben j'ai l'impression que ça va, hein. De toute façon j'ai pas le temps de m'en occuper maintenant, je vous montrerai ce que ça donne accroché dans le prochain vlog à mon avis. Puisque je pense que je vais m'en occuper après ce week-end, après Noël et tout. Parce que souvent quand c'est accroché et tout, c'est encore différent. Donc bon bref, voilà, c'était juste pour vous montrer. Et du coup, eh ben, je vais vous laisser ici pour cet épisode. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Bon, même si quand vous verrez ce vlog, je crois que ce sera déjà passé. Ou peut-être tout pile, on sera nouvel an. Mais bref, quoi qu'il en soit, je vous souhaite mes meilleurs voeux. Et je vous dis à la semaine prochaine. J'ai reçu une giga livraison. C'est le petit truc où il y a l'eau qui sort là. Ce que j'aurais voulu au départ, c'était que les travaux soient réalisés avant que j'emménage. Alors j'ai reçu ça là-dedans. Une bombe littéralement qui est tombée ici. Regardez-moi ça. Oh là 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 là, ça change quand même tout, hein. Parce qu'il n'y a pas du tout, mais alors vraiment pas, même les dimensions, il n'y a rien du tout.